Après 4 escales effectuées dans certains établissements publics du Cameroun, la caravane d'information et d'orientation académique et professionnelle du ministère des Enseignements supérieurs était ce vendredi au lycée bilingue de Mbalmayo, en couplé avec la célébration de la journée d'orientation scolaire qui s'est célébrée sur le thème « Orientation, conseil et promotion de l'esprit entrepreneurial en milieu scolaire ». René Pierre Songan, préfet d'Union Esso et par ailleurs représentant personnel du ministre de l'État, ministre des Enseignements supérieurs, présidait la dite cérémonie en présence de 8 universités d'État et plusieurs établissements de l'arrondissement de Mbalmayo. Concernant les différentes formations disponibles dans nos institutions universitaires d'État et des institutions privées. Il était question, tout au long de cette cérémonie, de préparer les finissants du secondaire à opter pour un meilleur choix au supérieur. Nous sommes venus présenter les différentes formations que nous offrons dans notre faculté, dans notre établissement. Nous en avons trois principales, donc la médecine générale, la pharmacie et la médecine du volant. Certains élèves échouent leur scolarité parce qu'ils ont été mal orientés. Maintenant qu'on organise ce genre de carrefour, ça permet que les élèves puissent savoir là où ils peuvent entrer après leur baccalauréat. Plusieurs activités ont meublé cette double cérémonie qui a permis aux représentants du ministre de décorer 13 officiers et 9 chevaliers des palmes académiques. La visite d'Estan viendra boucler la dite cérémonie.